Alicia, candidate de la 6e saison de Mariée au premier regard, a annoncé récemment faire une pause dans son couple avec Bruno. Dimanche 14 mai, la jeune femme s'est confiée sur sa relation compliquée avec son mari. Période compliquée pour Alicia. Mercredi 10 mai, l'infirmière de la Côte d'Azur a annoncé que son couple avec Bruno, rencontré pendant l'émission Mariée au premier regard, était en pause. Depuis quelques jours, beaucoup d'entre vous me demandent pourquoi Bruno est moins présent dans mes stories. Je me tenais de vous répondre, nous faisons une pause pour se recentrer chacun de notre côté. Dans Mariée au premier regard, la vie d'après, vous pourrez retrouver des moments de complicité mais aussi, nos doutes bientôt sur 6 Play. Merci de respecter cette décision, a-t-elle écrit sur Instagram. Malgré ce coup dur, Alicia a sorti vendredi 12 mai son premier single, baptisé à vie. Comme je n'ai pas confiance en moi, je ne chantais que pour moi. Or, on m'a dit que je ne pouvais pas continuer comme ça et faire l'égoïste. Je me suis donc lancé, avait-elle notamment expliqué à Gala. Passée au second plan dans sa vie devenait une habitude dimanche 14 mai, Alicia est revenue sur la sortie de son premier single et sa séparation avec Bruno sur son compte Instagram. Coucou tout le monde. Merci pour vos messages touchants pour mon single. Je suis très contente car la musique a été énormément écoutée. Je n'ai pas un talent exceptionnel mais j'ai réalisé un rêve caché que je n'osais pas réaliser. Bien évidemment ça plaît ou ça ne plaît c'est les goûts et les couleurs. Le principal c'est que je sois fier de pouvoir avoir un exutoire et une manière de m'exprimer autrement que la parole, a-t-elle expliqué, avant de revenir sur sa relation compliquée avec Bruno. Ce fut une semaine chargée, tout est arrivé en même temps, mes 30 ans, mariée la vie d'après, le fait que je ne pouvais plus vous cacher ma distance avec Bruno, la sortie de mon single. Je ne sais plus où donner de la tête. Je vous avoue que je suis très peiné de ce qui arrive avec Bruno et quand je suis triste je suis pudique et donc je ne vous montre pas ma peine en story. Vous êtes nombreux à m'avoir dit qu'il avait enlevé son alliance juste après le post. Je l'ai vu et ne vous inquiétez pas, je ne suis pas étonné car passer au second plan dans sa vie devenait une habitude ces derniers temps. C'est son choix, il a le droit, dans la vie il est difficile voire impossible de changer quelqu'un, a-t-elle écrit. Voilà qui est dit.